tellement touché, tellement touché. Coach, mon visa est sorti. Je veux vous rejoindre aux États-Unis. Oh, félicitations, Hardy. En tout cas, on t'attend. Je suis ici avec tes frères ici. Hardy arrive aux États-Unis. Coach, je suis rentré, mais j'ai changé d'état. Je suis allé vivre à Miami. C'est pas grave. Tu m'envoies l'adresse et je viendrai. Quelques jours après. Coach, bonsoir. Mais je compte venir là-bas le lundi. Il n'y a pas de problème, Hardy. Or, c'est le samedi, là, il a déjà fait sa première pesée pour son premier combat. Le lendemain, on est surpris sur les réseaux sociaux. On regarde la victoire de Hardy Ndembo. J'appelle un frère, coach Eric. Mais tu es ici, tu étais au courant que Hardy devait boxer. Le coach Eric dit, ah, je ne suis pas au courant. Carla Del Wester, tu es au courant que Hardy devait boxer? Je ne suis pas au courant. Mais comment Hardy peut nous cacher les choses alors que nous sommes ici aux États-Unis? On était censé le protéger, le travailler, parce qu'on connaît le monde là est très compliqué. Tu peux pas venir et on te donne un coach que tu connais pas. Tu es seul, un Africain au milieu des gens que tu connais pas. Ok, il n'y a pas de problème. Hardy, allô coach, mais comment tu peux faire un combat? Ah, coach, moi c'était venu brisque, mais le prochain, on va travailler ensemble. Il n'y a pas de problème, mon champion. La semaine qui suit, Hardy se lance encore dans les sparring durs. Pour son deuxième combat. En 2 semaines, on lui fait boxer 2 combats professionnels, ce qui ne se fait jamais dans le monde de la boxe. Hardy se lance encore dans son deuxième préparation. Et Hardy va faire encore la pesée, il nous fait pas signe. Et on était encore surpris d'apprendre Hardy dans le coma. Ah, mais comment il est encore allé monter sur le ring sans nous faire signe alors qu'on était censé travailler ensemble? On ne connaît pas l'hôpital, on ne connaît pas son adresse, on ne connaît pas sa maison, on ne connaît pas dans quelle promotion il a signé. Les États-Unis tellement grands. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Hardy Debo? Nous sommes blessés, Hardy nous a tellement caché les choses. On était censé le protéger dans ces milieux parce que le milieu là est très compliqué. Quand tu arrives, on te présente un luxe, on te donne beaucoup de choses afin de prendre ton record parce qu'il était déjà à 8 à 0. Donc sa tête était chère dans le monde de la boxe, le record. Et en lui prenant sa record, ça lui a conduit jusqu'à la mort. Et nous, on ne connaît pas par où aller voir. Hardy nous a tellement trop choqués que on ne connaît pas là. Il fallait qu'il puisse au moins rester en vie, qu'il arrête la boxe. Mais on lui a pris. Hardy nous a caché les choses. On était censé être ensemble depuis le premier jour. Mais voilà un peu. Donc, test nouvelle et je ne sais pas comment faire. Nous sommes là. Merci à vous.